Depuis mon petit moment, quand on fait sport avec moi, pas. Avec le temps, on commence à faire des disciplines juste pour keep fit. Et comme on connaît Patrick qui m'a entraîné, qui est aussi mon Miché, on commence à faire la boxe française, moi j'ai 20 ans, 21 ans. Et Muay Thai, on commence à faire Muay Thai comme j'ai 27 ans. Et donc, on est bien content à ce sport-là, sur la percussion et sur les affaires. Donc, à partir de là, qui commence à mettre full là-dedans. Moi, je me dédie la vie même dans ce sport-là. Avant, je suis bien timide, je suis beaucoup d'affaires. À travers les sports et surtout à travers Patrick, honnêtement, pour que je remonte, ça va me faiblisse là. Et dans l'entraînement aussi, nous montrer aux enfants comment pour que je remonte, ça va me faiblisse là. Et non seulement nous faisons d'autres combats, mais nous travaillons beaucoup aussi au niveau mental aussi. Dans mon carrière sportif, je gagne beaucoup de médailles, je gagne des défaites aussi, donc ça n'a pas d'empêchement de continuer. Je gagne beaucoup de victoires. Ce qui commence à bien tenir moi à cœur, c'est que j'ai gagné une médaille l'or pour WKF, World Kickboxing Federation, en 2016. Et que de l'année consécutive, je gagne un champion du monde Muay Thai dans World Muay Thai Federation qui est passé en Thaïlande. Donc, ces trois titres-là sont bien importants pour moi. En mars 2019, je mène un championnat du monde pour me défendre mon titre moins 48 kg, championne du monde en WMF. Donc, je peux prévoir, moi, faut moi aller pour me garder mon titre. Moi, j'ai envie de remercier tout le monde qui me supporte moi depuis bien longtemps et aussi récemment. Moi, j'ai envie de remercier aussi Eye to Eye Optical pour ce support financier pour moi défendre mon titre en Thaïlande. Moi, invite d'autres pour suivre moi le Facebook pour ce championnat du monde là.